Salam alaikum, hello, hola, je te souhaite la bienvenue, marhaba bik, dans cette nouvelle vidéo spéciale vocabulaire de la chaîne YouTube Maroc et moi. Donc la dernière fois qu'on a vu ensemble 10 noms de fruits en darija marocain, et aujourd'hui ce sera 10 noms de légumes, même plus que 10 noms, il y en a d'autres, il y a des bonus. Donc c'est ce que je te propose dans cette vidéo, il y aura aussi des petites phrases qui accompagnent les mots. Et évidemment, comme tu le sais, ce sont des mots que je publie chaque jour du lundi au vendredi dans la darija story de ma chaîne IGTV Instagram. Donc si tu veux, tu peux nous rejoindre. Et donc voilà, je te souhaite une bonne écoute. Le patata. Les patatas, ça veut dire là ou bien les pommes de terre, donc autant au singulier qu'au pluriel, le patata. Et pour dire la patate douce, on dit patata hloua. Patata hloua, le patata hloua. Le patata hloua, la patate douce, ok? Le basla. Le basla, c'est-à-dire l'oignon ou bien les oignons. Le basla, l'oignon, les oignons, donc autant singulier que pluriel. Et la phrase qui va avec, c'est le basla kaddammer l'aynin. Le basla kaddammer l'aynin, c'est-à-dire l'oignon donne les larmes aux yeux. Le basla kaddammer l'aynin. Ok? Le matricha. Le matricha, c'est-à-dire la ou bien les tomates, donc au singulier et au pluriel, le matricha. Et le concentré de tomates, on dit le matricha diel hook. Le matricha diel hook. Le matricha diel hook, le concentré de tomates. Le matricha, les tomates, la tomate. Matricha diel hook, le concentré de tomates. Le rizzo. Le rizzo. Le rizzo, c'est-à-dire là ou bien les carottes, donc au singulier et au pluriel. Le rizzo, et une petite phrase qui va avec, on peut dire le rizzo diel jardin. Le rizzo diel jardin. Le rizzo diel jardin, c'est-à-dire les carottes du jardin. Le rizzo diel jardin. Le gara. Le gara. Le gara, c'est-à-dire là et les courgettes, le singulier et pluriel. Le gara. Et le gara hamra, c'est la courge. La courge. Le gara hamra. Ok? Donc le gara, la courgette. Le gara hamra, la courge. Le fifla. Le fifla, c'est-à-dire le ou bien les poivrons. Le fifla, les poivrons. Et le fifla harra, c'est le piment. Fifla harra, ok? Left, c'est-à-dire le ou bien les navets. Left, le ou bien les navets. Et la petite phrase qui va avec, c'est qui ajbek left? Qui ajbek left? Qui ajbek left? Tu aimes les navets? Loubia khdra. Loubia khdra. Loubia khdra. C'est-à-dire les haricots verts, donc aussi le haricot vert singulier et pluriel, loubia khadra, les haricots verts. Et la petite phrase qui va avec, c'est shrit loubia khadra. Shrit loubia khadra. Shrit loubia khadra, c'est-à-dire j'ai acheté des haricots verts. Le gelbena, c'est-à-dire le ou bien les petits pois, le gelbena. Et la phrase qui va avec, c'est douez bidjej ou le gelbena. Douez bidjej ou le gelbena. Douez bidjej ou gelbena, c'est-à-dire le plat en sauce, douez le plat en sauce, au poulet et aux petits pois. Le ma'adnous, c'est-à-dire le persil. Le kozbor, c'est-à-dire la coriandre. Le madnous, le persil. Le kozbor, la coriandre.
Donc voilà, j'espère que tu as fait le plein de nouveaux mots et de nouvelles phrases en darija marocain. Juste une précision, donc les légumes en darija marocain, c'est comme les fruits, il n'y a pas vraiment de singulier et de pluriel, donc ça dépend du contexte, mais parfois si tu rajoutes un A à la fin d'un nom de légumes, ça peut montrer qu'il n'y en a qu'un seul, mais ça marche pas avec tous les légumes, d'accord? Donc voilà, écoute, répète-les jusqu'à les maîtriser au top. Et puis évidemment, si tu as la moindre question, tu me laisses un commentaire. À la prochaine fois, Slama, bye bye!